Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Towns. Et oui, ça fait quelques temps, mais on reprend. Donc, ce qu'on va faire, déjà, je vais vous montrer le journal. Vous voyez qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées. Donc, j'ai perdu de nombreux vitoyens, d'autres sont arrivés. J'ai perdu de même de nombreux de héros et d'autres sont arrivés. Donc, je vais vous montrer deux petites constructions que j'ai faites, si je les retrouve, voilà ici. Donc j'ai mis des tavern rooms en haut, ce qui m'a permis d'accueillir Anyundr, qui est un ranger. Et donc vous verrez souvent ici, Anyundr tue des animaux, des choses comme ça. Donc vous voyez, ça, ce n'est toujours pas occupé. Alors que ici, ça commence à être pas mal occupé, avec forcément 16 vitoyens. Donc là, bien, ça c'est plein, ça avance, ça, il y a des gens, j'ai plein de héros. Là, je dois en avoir 5 ou 6 maintenant. Vous voyez, je n'ai plus de soldats, je les ai déconvertis de soldats à autre chose. Donc là, vous voyez, on visite un petit peu. Ça, j'ai demandé à faire un peu de cailloux bien pour les routes que je fais au-dessus. Donc voilà, ici. Alors, on va faire une toute petite pause et on se reprend tout de suite. Voilà, c'est mieux. Donc normalement, pour vous, toute la vidéo a ratissé d'un petit coup. Vous pouvez aussi me laisser votre avis si vous préférez la voir en plus grand ou si cette taille-là vous convient. Donc ici, ce qu'on va demander aussi, c'est un peu de charbon, puisqu'il me semble que la veine de charbon ici est très grande. Enfin, on peut le voir ici, oui, donc cette veine de charbon risque d'être très grande. Donc ici, il me casse du caillou. Ce que j'aurais pu éventuellement faire ici aussi, c'est ce que je viens de remarquer. Et donc, vous voyez, la route prend forme. Ici aussi, j'ai deux mineshafts qui extraient beaucoup de fer. Ici, j'ai créé un four pour ceci, pour faire les steaks. Ce qui me fait penser que vous l'aviez peut-être vu, mais j'avais arrêté ces deux moulins. D'ailleurs, je vais allumer celui-ci aussi. Et je me suis pas très bien rendu compte du fait que j'avais arrêté les moulins et surtout que ici, j'avais mis à zéro la demande de blé. Et ce qui fait qu'il ne ramassait plus du tout de blé, donc plus de blé, plus de farine, plus rien. Et j'ai frôlé hors caméra la mort de la Véville, sûrement de très 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 près. Mais maintenant c'est réglé. Là, il n'y a plus de farine, plus rien, mais vous pouvez voir qu'on est quand même proche de la demande. Je me suis aussi rendu compte que pour faire du pain à la banane, il fallait déjà avoir du pain. Donc, il fallait que je continue à demander du pain. C'est tout simple. Donc là, vous voyez mes quelques routes qui arrivent. J'ai un nombre de vaches absolument hallucinant. Je pense qu'il va falloir, d'une manière ou d'une autre, que je réorganise mes priorités, que je mette butchering avant all, en espérant que ça soit un peu utile. Et donc ici, j'ai une forge avec, un haut fourneau, mais c'est pas vraiment un haut fourneau, mais je n'arrive plus à le traduire immédiatement. Donc ce qu'on va faire, hein, c'est très simple, on va demander... deux de plus comme ceci, ce qui va faire qu'on va pouvoir faire deux enclumes. Une enclume, deux enclumes, il faut que je fasse deux stone hammer. Et je vais pouvoir faire deux ceci, un, deux. Et là, je pense que vous voyez tout de suite ce que je suis en train de préparer. Très prochainement, vous savez ce qu'il va apparaître dans la Véville, de l'armure en fer. Et une fois qu'on va avoir de l'armure en fer, on va pouvoir faire des armes qui sont un peu moins, je ne vais pas dire pourries, mais bon, le sentiment y est, qui sont un peu moins, je vais dire pourries finalement, hein, qui sont un peu moins pourries que ce que mes vitoyens se trimballent présentement. Et ça veut aussi dire qu'on va pouvoir descendre ici. Et là, ça va être, comme qui dirait, la galère. Je ne sais pas si je vais pas y aller à petits coups de lave de temps en temps pour tous les tuer avant, puisque là, avec le nombre de fantômes des héros passés, ça risque d'être un peu critique. Je ne vous le cache pas, mais il faut descendre parce qu'il faut qu'on déboîte plein de slim verts. Ou alors, il faut que je parte par ici. Tiens, je n'avais pas pensé à ça éventuellement. Il n'y a pas d'eau, voilà. Et ben, je propose qu'on
se fasse une petite ligne ici. On va percer comme ça. Et avec un peu de chance, on va tomber sur des slimes verts pour finir la route. Ah, vous voyez, c'est ici Endure, mon héros ranger, fermier, je ne sais pas. Et donc celui qui habite par ici, là. Lui, il a rien, mais il est quand même venu, il est sympa. Et bon, ça, c'est l'avantage. C'est le début. Et donc ça avance, et vous voyez, il tue les... Il déboîte les, comment, les taureaux, il casse les ours, enfin c'est... il est plutôt sympathique pour faire le ménage des animaux sauvages. Et donc voilà, donc là il leur reste plus qu'à récupérer du fer pour construire mes deux petits trucs ici, là. Ça serait bien qu'ils s'y mettent un jour, genre assez vite, là, maintenant, là, là. Et qu'ils butchers un peu plus. Parce que dans tous les cas, ils sont... extrêmement occupé par la nourriture. Et c'est pour ça que je me demande si on va y arriver un jour. Avec un peu de chance, on va réavoir une fournée de vitoyens assez vite, ce qui serait quand même plutôt sympa de leur part. Hein. Comme ça, s'ils arrivent vite, c'est que plus ils arrivent, bah plus ils arrivent. Hein. On va le dire hein, très clairement. Donc déjà là, je vais leur dire d'arrêter de miner ici. Voilà, comme ça ils vont pouvoir se mettre à faire autre chose, ce qui veut dire autre chose, c'est-à-dire pas ce qu'ils font présentement, parce que là c'est un peu le bordel, dans cette ville et tout ça, mais bon. Je suis vraiment surenvahi de vaches quand même, hein. C'est plutôt impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a pour faire ça? Mason's Bench, Iron Wood, ça j'ai tout. Ça j'ai tout. Normalement, il devrait se mettre à le faire un jour. C'est-à-dire, genre maintenant, ça serait bien. Donc là, j'ai plein de boue. Mais je crois que j'ai ce qu'il faut pour faire des trucs super cool. Mais on verra ça au moment où j'essaierai de me rappeler ce que c'est que je veux faire avec ça. Et qu'on le fera. Et donc voilà, c'est la reprise après une pause quand même assez massive, je dois bien vous le dire. C'est majoritairement la faute à Diablo 3. Et à certaines personnes qui jouent à Diablo 3 justement. Mais... C'est pas très problématique, on fait avec quand même. Ne pas percer ici, puisque comme je vous l'ai déjà dit, il y a la rivière, donc ça va fuir. Et c'est pas très cool quand ça fuit à l'intérieur de la ville. Enfin, moi j'aime pas en tout cas. Et donc voilà, ça y est, c'est reparti. Forcément, comme vous pouvez l'imaginer, bien sûr, j'ai pas du tout regardé l'heure hein, à laquelle j'ai commencé à tourner. Mais là, ça doit faire entre 4 et 8 minutes, quelque chose comme ça. Hein, je ne m'avance pas trop, j'aurais dit 5 sans faire de marge. Mais je préfère faire une grosse marge. Et... plutôt que de risquer de me lamentablement me planter. Donc là, on va peut-être leur demander de s'arrêter de faire des vaches un petit peu. Hein. Là, on va en garder deux parce que là, ça commence à devenir un poil trop important. Lui, il tue tous les trucs. Le ranger, ça, c'est pratique. Il assassine tout. Donc, où sont les vitoyens? Alors, lui, il est là, ici, là, 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 dort, là, là, là. C'est vrai qu'ils sont tous ultra occupés par la bouffe. C'est pas super. Il doit y avoir un ou deux trucs que j'ai pas hyper bien fait dans mon machin. On met le dernier bananier ici. Bon, là, il y a les radis, là, il y a les bananes. Il faudrait effectivement que je leur fasse une petite route pour qu'ils aillent plus vite là. On va demander une petite route. Hop. Bili bili pic. Presque. Et donc, on part d'ici. On va là. On part là. Et on va ici. Puis parce qu'on est gentil et que le caillou, hein, c'est quasi gratuit. On va ici. Et on va... là. Voilà. Il faut
faut juste qu'à peu près 500 000 cailloux. Que j'ai clairement pas. Et vu qu'ils sont tous occupés à faire de la bouffe et des trucs qui ressemblent à de la bouffe, c'est pas tout de suite qu'on va tout avoir. C'est ça, très, ça c'est bien, le pain ça va, ça... Et dans pas longtemps, on devrait avoir des vitoyens qui vont être libres pour aller faire autre chose. Genre des outils... des trucs bien, quoi. De la route... Mais bon, on va bien voir, ça va bien finir par arriver ici aussi. Et après... Oh tiens, il y a un problème de brouillard de guerre. Je suis en train de voir que je peux voir les mobs à travers le brouillard de guerre. Ah, c'est sympa ça. Red slime. Effectivement, le brouillard de guerre ne permet juste pas... Ah, ou alors c'est tout bugué parce que là, il m'a semblé voir un truc juste là. Juste ici, Goblin Leader. C'est tout bugué. On voit à travers le brouillard de guerre. Bon, c'est pas grave. On fait avec. Oui, là, tu peux arrêter le charbon, ça va suffire. Ce serait mieux d'aller faire des trucs utiles, genre de la route, là. Donc, voilà. Ah, c'est très pratique. Il n'y a plus trop de problèmes de nourriture pour le moment. Ils sont juste 100 000 à faire des trucs sur la nourriture. C'est un peu la galère, mais... Mais bon. J'espère que ça va... se stabiliser, soit attirer de nouveaux vitoyens, mais bon, vu que j'ai toujours pas très bien compris comment on les attire, ça va pas être tout de suite. Et donc là, il reste plus qu'à finir la route et finir ceci et lancer la production massive alors d'armure en pourquoi pas en fer. Ou en... Non, pas en os. Pourquoi pas en spider it? Faudra que je regarde. Ça fait... Elle défend 681, 919. Et le fer, 511, 600. Ouais, donc la spider it, c'est vachement mieux. Et je crois que j'en ai des milliards. J'en ai des milliards. Donc on va pouvoir faire plein de trucs en spider it. Et on va sûrement pouvoir faire des armes en pareil. Non. Si. Alors, non plus, oui. Eh bien voilà, on va pouvoir faire des trucs comme ça. It's fuzzy, ça décrit parfaitement. On peut faire ça aussi. Oh, on va pouvoir leur faire des arcs. Ah, c'est intéressant, dis donc. Ah bah, il faut que je fasse un IT Smith ici. Parce que justement, je n'ai pas la bonne zone. Donc, IT, utilities, ce machin-ci, ça se fout dans une forge. On va le poser ici et espérer qu'il soit construit un jour. Donc voilà, ça c'est parfait. Là-dessus, ça avance. La route, ça avance. Le caillou, ça n'avance pas. Oups. Donc on va recasser du caillou. Donc comment sont mises les priorités? Il casse le caillou après, donc normalement ça doit être bon. Mais là il devrait y en avoir quelques-uns qui vont aller casser du caillou. Non, lui il va dormir parce que c'est un héros et un héros ça dort beaucoup. J'ai effectivement l'impression que mes vitoyens ont tendance à dormir beaucoup quand même. Mais genre beaucoup, beaucoup. Donc voilà, c'était le petit épisode de la Véville d'aujourd'hui. Tout ça vous montre un petit peu l'envahissement de vaches ici, les pommes là, les sacs de farine, l'avancée de la route mais qui ne peut pas continuer puisque je n'ai plus de machin vert. Et donc c'est pour ça qu'ici je tente une percée par là-bas mais c'est galère. Et ici bah il va falloir faire de la route à un moment ou un autre, hein, un jour. Là il y a plein de radis bleus qui doivent se faire récolter. Et donc voilà, j'espère que la route va permettre d'accélérer les trucs et que les vitoyens vont passer moins de temps à faire des machins pour la bouffe. Là, ça commence à être un tout petit peu, comment dire, exaspérant. Mais on va voir. Ah si, il fait encore un peu de route verte, donc ça veut dire qu'il doit rester quelque part caché
des petits flaques vertes de slime. Peut-être par ici, non, là il reste de la spiderit. Là aussi, ça c'est non. Ah, il reste un petit bout d'en explorer ici, donc il y a peut-être une chance d'en avoir un peu par là. Et un peu par ici aussi. Voilà, bah, depuis que les héros explorent de manière complètement aléatoire, c'est pas très facile. Mais bon, on verra bien. Bien, sûrement demain. Ou après-demain, je ne sais pas quand est-ce que va sortir le prochain épisode, enfin celui d'après celui-ci, mais je vous dis à cet épisode-ci pour voir où en sera la Véville. À bientôt.